Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et on va ouvrir un tripack Voltali. Donc c'est un tripack de l'édition épée et bouclier style de combat EB05. En fait, c'est l'édition qui vient de sortir, qui vient juste de sortir. Donc dans ce tripack Voltali, on peut voir qu'on a trois boosters de l'épée et bouclier style de combat. On a une carte promo Voltali, il doit y avoir, je pense, un jeton, une carte, donc un jeton et une carte aussi du jeu en ligne Pokémon. Donc on va ouvrir ce tripack. Alors c'est parti. Ceci, je vais l'ouvrir carrément par le côté. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà, donc on a ce petit jeton qui va aller dans la collection. On a la carte promo Voltali qui est très très belle. Une holo rare, elle est belle, hein, vraiment belle. Avec ses reflets magnifiques. On a une carte code qu'on va laisser là. Et on a nos trois boosters. Ouais, ils ont tous les deux ont la même photo, la même image. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, je vais ouvrir ces trois boosters afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Premier booster de cette édition dont on peut voir le logo ici. Style de combat. Allez, Kongfin. Voltoutou, Shaglam, Écrapince, Lepidonil, Énergie, point final. Celle-là, je crois qu'on avait, c'est la numéro 141, elle y était dans un des coffrets de l'édition en version holographique. Luxio, j'aime bien vraiment ces petits logos là, c'est vraiment sympa. Là, il y a soit le. Voilà, c'était les coffrets point final et 1000 points, les deux coffrets en fait. On peut voir les noms. Après Fermite. On a l'énergie. On va continuer. Ah, le suspense. Allez, la reverse. Ah, Pachirisu, c'est une commune reverse. Ok. Et la rare, on a. Hop, Moyade. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Allez, hop, une nouvelle rare. Il me semble que celle-là, je l'avais pas forcément eu. Enfin, ça ne dit rien. Bon, j'ai sûrement eu avec le. Dans d'autres boosters, mais alors deuxième booster de ce tripack. Par le passé, j'ai été chanceux dans les tripacks. Là, ça, l'ancien, le premier tripack, c'était pas terrible. Donc on va voir ce qui va se passer. Charpentis, Gruikui, Shaglam, Dunaja, Viscuse, Scorvol, ah, c'est les peu communes là. Jeanfloret et Jantarge, supporter, Rapace de Pique. Allez, donc l'énergie. Ah, c'est marrant l'énergie. J'ai ouvert les deux boosters qui avaient la même image et j'ai deux fois la même énergie dedans. Hop, en reverse chez Tiflor, c'est une commune reverse. Ok, bon, il n'y a pas grand chose là pour l'instant dans ce. Hop, et j'ai Hexadron, une rare normale. Ok, deuxième booster où il n'y a quasiment rien. Bon, je vais finir par douter d'acheter des tripacks maintenant, les amis. Je suis un peu étonné. Hein. Tripack que j'ai ouvert hier, il n'y avait pas grand chose. Il y avait quand même eu une holo et une holographique rare et une rare reverse, hein, je crois. Là pour l'instant j'ai même rien du tout donc c'est ouais, c'est un peu étonnant. Après c'est faut avoir de la chance, j'ai l'impression c'est soit sa chance. Voilà, alors on va voir le dernier booster, on va voir ce que ça va donner, hein. Férosinge, Misdibule, Mimantis, Remoraid, Piafabec, Hippocéan, Rouleau Tourbillon 1000 points. Bon,
peu commune. Donc Cacdurne, donc c'est les peu communes là. Allez. Donc on en a eu 3. Hop, l'énergie. Donc allez, qu'est-ce qu'on a en reverse? Allez les amis, allez, hop. Rouleau acerbe, point final. C'est une peu commune reverse. Ok, donc pour l'instant, rien de rien dans ce petit tripack. C'est dommage. Ah, c'est pas cool, franchement. Je vais finir par arrêter d'acheter des tripacks et prendre que des coffrets. Allez, la dernière carte. Hop, rien du tout électable. Et les câbles. Et ben voilà, bon, bah les amis... là, je sais plus quoi vous dire, mais je vous conseillerais même plus d'acheter des tripacks là. Avec, j'ai fait chou blanc dans un deuxième tripack de suite, mais vraiment rien. Alors là, celui-là, il n'y a même pas de rare holographique, il n'y a même pas de rare reverse. C'est, je crois que j'ai eu une peu commune et deux communes reverse, mais il n'y a rien de rien là-dedans. Voilà. Donc, je vais plus vous conseiller, les amis, je crois, d'acheter ce genre de petits lots parce que. Finalement, ça revient cher pour pas grand chose, c'est autour de 15 euros. À ce moment-là, autant acheter 3 boosters à l'unité, vous avez peut-être plus de chances d'avoir une ultra rare à l'intérieur. Là, j'ai un petit doute sur la qualité de ces produits. Auparavant, dans les tripacks, il y avait quand même quelque chose de qualité. Là, faire 2 tripacks de suite, sans grande carte, sans ultra rare, je pense que ça ne doit pas arriver souvent. Et alors, un tripack sans même une rare reverse ou holo. C'est assez étonnant. Il faut savoir que dans les 36 boosters de l'édition, mode de 36 boosters que j'ai ouvert, j'ai quand même eu 18 cartes rares reverse ou holo rare. 18 ou 20, je crois. C'est-à-dire qu'il y en avait plus d'une tous les deux boosters. Voilà, là j'ai ouvert 6 boosters en 2 tripacks, en 2 jours, et j'en ai eu que 2. Donc c'est en dessous de la moyenne, et dans celui-là, j'en ai même pas eu une en 3 boosters. Donc effectivement, j'ai acheté 3 boosters de l'édition, j'avais plus de chances d'avoir une carte plus intéressante, voire d'avoir une carte ultra rare en plus. Parce que, petite précision, c'est que j'ai eu un booster sur deux, j'avais une rare reverse ou une holo rare, mais en plus, dans les un booster sur deux restants, j'avais une ultra rare. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, j'ai un booster sur trois quelque chose, et dans les quatre autres où j'avais rien du tout, et ben j'ai rien du tout, même pas une ultra rare. Donc, ouais. Bon, bah les amis, je vous dis à ce moment-là, achetez plus une boîte de 36 boosters plutôt que d'acheter des tripacks. Là, à moins que vous soyez fan de cette carte, Voltali. Là, il n'y a vraiment rien, rien de rien. Voilà. Bon, bah les amis, écoutez, j'espère vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais tout casser et avoir enfin quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.